Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine. Et comme chaque dimanche, on se retrouve dans un nouvel épisode où je vous montre l'avancée de mes tricots. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau de, demoiselle. Et tout ce dont je peux parler se retrouve en lien en dessous de la vidéo. Je suis tellement contente de vous retrouver cette semaine! En meilleure forme, avec une meilleure mine que euh, l'épisode précédent, dimanche dernier. Voilà, doucement, mais sûrement ça va mieux. Et puis, de toute façon, voilà, chaque jour je vois que je vais un peu mieux et là je reviens quand même en étant euh, plus en forme et ça fait vraiment plaisir. Et je pense que même pour vous, euh, ça sera plus agréable à regarder comme vidéo. Merci, mais alors un très très grand merci pour tous vos messages, mais tellement touchant! Euh, je les ai lus et relus. Euh, je, je voyais les messages. Je m'étais pas encore de cœur pour qu'ils restent dans les messages non lus et je les ai relus une fois, deux fois, trois fois. Ça m'a fait tellement du bien, tellement de beaux au cœur. C'est, j'étais très touchée, très émue. Voilà, vous êtes franchement incroyable. Je le savais. Je savais très bien que euh, ma, ma communauté tricot qui me suit est vraiment. Euh, d'une extrême gentillesse et d'une extrême bienveillance, et vous l'avez prouvé une fois de plus. Et un grand, grand merci à vous pour tous vos messages que vous m'avez laissés. Euh, J'ai pris du retard, par contre, dans les messages, il y en a eu beaucoup, donc petit à petit, euh, je, je les relis. Et euh, voilà, soit euh, j'y réponds, soit je vous laisse un petit cœur, mais euh, merci, merci beaucoup. Donc voilà, je vous retrouve cette semaine. J'ai repris le travail. Bon. Je ne vous gâche pas que c'est quand même un peu difficile, je suis fatiguée en fin de journée. Alors là, il n'y a pas de souci, je me couche, je dors, je dors les nuits bien complètes jusqu'au lendemain matin que le réveil y sonne. Ah là, il n'y a pas de souci, j'ai jamais. Pas jamais. Ça fait très longtemps que je n'ai pas aussi bien dormi que depuis que je suis malade en fait. Euh, depuis que je suis tombée malade au départ, bah, je dormais beaucoup. Euh, tellement j'étais fatiguée et là bon la fatigue ça va mieux j'arrive à mieux tenir mes journées même si j'ai adapté j'ai adapté mon travail j'ai adapté mes activités par rapport à ce que je suis capable de faire physiquement notamment c'est euh, surtout ça hein, c'est le physique la fatigue et, euh, mais là je vois je dors mais pff, euh, oh, incroyable comme une masse euh, et ça fait du bien ça fait du bien de vraiment bien dormir et d'avoir un sommeil vraiment réparateur euh, ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça de, de me réveiller si bien et euh, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça a été dommage euh, d'avoir dû passer par euh, une, euh, une maladie assez grave pour avoir euh, extrêmement de fatigue, pour réussir à bien dormir après et récupérer. C'est quand même dommage. Mais bon, voilà, il faut voir le bon côté des choses. En ce moment, je dors très bien et ça fait beaucoup de bien. Alors je vais vous retrouver aujourd'hui. Je me suis remue dans mon petit cadre parce que je me sentais euh, d'attaque euh, pour le faire. Il n'y euh, a pas d'ouvrage terminé. Je ne vais pas vous montrer des laines reçues. Pourtant, j'ai reçu des laines. J'ai euh, notamment acheté de la laine chez Mobileine. Elle a fait un déstockage de ses derniers échevaux qu'elle avait euh, sous sa marque Mobilaine. Alors si vous ne connaissez pas Mobilaine, à la base... Euh, c'était un petit camion, un petit camion bleu, euh, une mercerie ambulante. On avait eu la chance de la rencontrer, on avait fait le déplacement une fois, une sorte de petite fête de la laine. Et c'est là où j'avais rencontré pour la première fois Elodie et c'était une super rencontre. Et ensuite, euh, ensuite l'an dernier ou l'an d'avant, on s'est rendu à Amiens. Ça doit être l'an dernier, je crois. On s'est rendu à Amiens. Elle avait une, bite, une boutique, cette fois-ci physique, une boutique atelier. Qui était très chouette aussi. On avait, euh, voilà, on avait organisé une journée sur un mien. J'étais super contente de la revoir. Mais malheureusement, elle a arrêté son activité désormais. Euh, le camion, elle l'avait revendu il y a déjà un moment. Et maintenant, même sa boutique physique est fermée. Et donc, elle avait fait un déstockage. Et c'était vraiment très intéressant. Donc, euh, j'ai craqué, j'ai acheté. Euh, la... donc, je vous montre pas là, vous ne pouvez pas du tout le, le revoir. Il n'y a plus. Euh, tout s'était passé sur Instagram assez rapidement. Mais je vous montrerai quand je le tricoterai. Bon après, pff, le défi 2024 grammes, ça va être compliqué cette affaire. Mais voilà, donc en fait aujourd'hui juste je reviens vous montrer mes avancées tricot. J'ai rien terminé mais j'ai quand même bien avancé dessus et je vais même d'ailleurs vous parler rapidement quand même de ce que je porte. Aujourd'hui je porte le top Mademoiselle Kate de même les anges tricote que j'ai tricoté avec cette jolie laine de chez Garance et Compagnie. J'aime beaucoup ce coloris. Donc voilà, euh, je l'ai mis le jersey devant. Ah, moi j'aime beaucoup, c'est une encolure en V, j'adore. J'ai mis le jersey devant et dans le dos. Dans le dos, c'est toute une bande de dentelle, Alors il est réversible. Hein. Il y a la même encolure devant derrière, donc je pourrais porter le, la dentelle devant. Mais aujourd'hui je la porte dans le dos. Voilà, je préfère... Euh, je crois qu'en fait au début j'aimais beaucoup mettre la dentelle sur le devant, mais je crois que... Bon, je trouve finalement qu'elle a un plus beau rendu dans le dos. Elle est droite, elle n'est pas, pas déformée par la poitrine, et je trouve qu'elle est encore plus jolie finalement derrière. Même si moi je ne le vois pas, je trouve que ouais, finalement c'est comme ça que je préfère le porter avec la dentelle derrière. J'avais réussi à le faire passer dans deux écheveaux, je ne sais plus la taille que j'avais faite, mais euh, j'avais réussi à le faire passer dans deux écheveaux, et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Alors, niveau tricot, bah je vais revenir euh, j'ai trois en cours, quatre. J'ai quatre en cours à vous remontrer. Ah, alors, on va commencer par le test pour Nadia. Il vous plaît beaucoup Je vais pouvoir vous montrer le top jo... Joya. Joya. Je... Je ne saurais jamais le dire. Le voici. Alors, c'est un t-shirt avec une encolure en V et qui présente ce superbe motif là sur le devant, surtout le devant. Alors, derrière, c'est que du jersey. Le dos est tout en jersey, mais le devant est tout en, en dentelle avec ce très joli motif. Un motif qui est simple, à la longue qu'on retient à moi. Moi, personnellement, je l'ai retenu par cœur, je ne regarde plus le, le patron. Il n'y a pas besoin du... Oh non, je trouve qu'il n'y a pas besoin du patron, ça se retient bien, il est sur... Euh, en fait, c'est deux fois... C'est deux rangs de dentelle, c'est tout. En fait, il n'y a que deux rangs de dentelle qu'on répète euh, à chaque fois deux fois, donc c'est pas... Ça se retient bien, il n'y a pas beaucoup, puis le motif il est petit, il est juste là sur ces mailles-là. Et on a des petites mailles en vert. Dès qu'on se trompe, en fait, on se rend vite compte, puisqu'il est sur pas beaucoup de mailles. Je trouve qu'on se rend assez rapidement compte des... des... erreurs. Et donc, ben, depuis que je vous l'ai montré, j'en étais là quand je vous l'ai montré, j'en un anneau. Hop alors là, c'est un anneau de chez Apollonie. C'était les fleurs annuelles qu'elle faisait l'an dernier. Donc j'en étais là. Et j'ai tricoté quand même tout ça. Et là, c'est un petit anneau marqueur. C'est un Progress Keeper de chez Alicia Concept. Avec un petit éclair. Trop mignon. Et ça, c'est pour me repérer. Je sais qu'en étant ici, je suis à la moitié de ma longueur que je dois faire. Que je m'étais mis en fait comme objectif. Mais tu mets un objectif quand même. Euh. Ça prouve que je vais mieux, ça prouve que je revais mieux. Je m'étais mis un objectif de je fais un motif par jour. Comme ça, c'était pas trop. Voilà, je faisais mon motif et puis je tricotais autre chose. Ça m'a permis d'avancer. Euh, je sais qu'il me faut six jours pour finir ce que j'avais à faire. Euh, c'est pas trop répétitif, je m'ennuie pas dessus et c'est vraiment très agréable. Donc, il faut être quand même concentré sur ce qu'on fait sur tout le devant et puis tout l'arrière bah c'est tranquille c'est que du c'est que du jersey quand on est euh... il y a un rang sur deux où la dentelle se travaille le rang quand on en a les retours c'était le rang vert on tricote les mailles que comme elles se présentent il n'y a pas trop à réfléchir donc vraiment il est très simple à, à tricoter alors ça demande du temps quand même hein, parce que bah il faut être assez vigilant sur tout ce qu'on fait et en plus moi je trouve que le fil se dédouble beaucoup donc j'essaie je, de faire très attention à ce que je fais quand je le tricote mais voilà je l'aime beaucoup et je pense que vous ne le reverrez plus parce que là j'ai plus qu'un motif à faire je fais les côtes et ensuite je fais les finitions en colure et manche et donc euh, je vous le montrerai à sa sortie qui est prévue euh, courant juillet ah ouais je l'aime beaucoup <laughs> au niveau du fil je le tricote avec la Katia Tincelle coton de chez Katia. J'ai eu beaucoup de retours dessus. Je peux vous dire que je ne le retricoterai pas. Déjà il se dédouble facilement. Et euh, donc euh, je fais très attention pour essayer de, de bien prendre tous les brins du fil parce que bah, sinon euh, c'est visible. Alors souvent c'est sur mon jersey que je m'en rends compte, alors je défais, je reprends bien pour que ça fasse pas de... Bah, pour que ça soit joli en fait, pour qu'il n'y ait pas de défaut. Donc voilà, déjà il se, dé, il se dédouble quand même pas mal, mais c'est comme tous les fils coton, hein, j'ai envie de dire. Euh, c'est. C'est récurrent à tous les fils coton, je pense. Et si je vous montre là le fil coupé, on voit bien qu'il se. Ça se dédouble facilement. Puis je vous avais posé des questions sur ce fil à avoir votre retour. Donc plusieurs m'avaient dit, hein, il se détend au lavage, donc faut faire attention. Et d'autres m'ont dit également, et vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, il perd sa couleur au lavage, notamment si on le lave en machine à laver. Plusieurs m'ont dit qu'il faut surtout pas le laver en machine à laver parce qu'il va perdre sa couleur et il va devenir fade. Donc super. Donc je ne retricoterai pas ce fil. Entre is détend, il perd sa couleur, is dédouble, ça fait trop pour que ça fait trop de choses pour que je que je le réutilise. Donc je fais que Laver mon t-shirt que à la main pour éviter à pas de perdre sa couleur. Même si je pense qu'à la longue, il perdra quand même sa couleur, parce que machine à laver ou non, il sera quand même lavé. Et puis c'est quand même dommage parce qu'un top d'été, euh, vu qu'on transpire tout ça, moi je préfère quand même les laver à la machine à laver. Mais bon, c'est pas grave on verra bien. Et puis on, bon, quand je l'aurai fini et puis que je vais le, le laver la première fois, je vais voir s'il se détend beaucoup. Je l'ai pas essayé. J'ai pas encore essayé, rien du tout. Euh, je sais que l'encolure, euh, la finition de l'encolure viendra bien refermer quand même euh, euh, l'encolure, parce que là, c'est vrai qu'elle paraît fort dégagée, mais elle est encore euh, brute, elle a pas sa finition, je pense que ça va resserrer après, donc on verra bien. Mais ouais, non, je l'ai pas essayé. Au niveau des longueurs, je fais ce qui est recommandé dans le patron par Nadia. Et donc euh, j'essaye pas. J'ai l'habitude des patrons de Nadia et je sais que ça va me correspondre et que ça va aller. Donc euh, voilà, le top Joya, jo jo Joya, qui est en test jusqu'à euh, mi-juillet à peu près, puis après il sortira. Je vous le remontrerai plus, mais je prends énormément de plaisir à le tricoter. Même si le fil, ce n'est pas ce que je préfère, euh, je prends quand même beaucoup de plaisir. Le fait que ça soit quand même assez... Je ne le trouve pas du tout répétitif parce que mon état, avec ma fatigue, euh, je trouve que c'était super bien de ne pas avoir à trop réfléchir, que ça soit toujours la même chose. Là tout ce que je fais c'est assez répétitif et en fait euh, ça me convient tellement bien en ce moment. Donc euh, c'est... Je le trouve pas répétitif en fait, je m'ennuie pas. En cours suivant, euh, il s'agit de mes chaussettes Guadeloupe, un modèle de Lysandre Ourdin. Et je vous montre ma première chaussette. La voici. Donc ce modèle avec des petits pamiers, un petit hamac. Vraiment très joli. Des rayures sur tout le pied. Euh, je crois que quand je vous l'avais montré, j'avais fait le talon. Donc le talon à renforcé. Et puis euh, voilà, j'ai fait mes diminutions, mes rayures. Alors je me rends compte que. Il y a encore 4-5 ans moi. Ben, quand j'ai commencé... Je tricotais serré avant. Donc euh, ça fait plus de 10 ans que je tricote. Mais au départ, ben, comme pour souvent les débutants, je tricotais... Euh... Bah, je tricotais pas vite, je tricotais que des petits ouvrages, des bonnets, beaucoup pour les enfants. Et ça fait euh, maintenant 5-6 ans que j'ai tricoté, je tricote beaucoup plus. Alors, ça c'est venu progressivement. Et donc maintenant bah, je tricote tous les jours et je vois que ma tension, elle a changé. Euh, donc je tricotais serré il y a encore bien 4-5 ans et maintenant je me suis quand même bien détendue du tricot. Et euh, je le remarque surtout sur les chaussettes parce qu'au niveau des rayures, j'ai souvent moins de rayures à faire que d'autres personnes et je crois que là j'ai une rayure en moins que bah, par exemple que l'i-centre, alors que je chasse un 41. Alors j'ai pas un pied si long que ça parce que mon pied je crois qu'il fait 24 cm parce que j'ai déjà mesuré pour savoir les longueurs de chaussettes à faire. Euh, mais c'est surtout que j'ai un gros pied euh, épais, large, et c'est pour ça que je chasse du 41, parce que pour que en largeur, en hauteur, ça soit confortable. Mais souvent bah, j'ai de la marge au bout. Donc euh, voilà, bon bref, j'ai fait mes chaussettes, mais je m'en rends compte sur mes chaussettes que bah, j'ai souvent moins de rang. Que d'autres personnes pour faire mes chaussettes. Et euh, je me demande si je vais pas acheter aussi des aiguilles 2, de, je ne sais pas si ça change beaucoup, 2, 2, 25, pour peut-être avoir un tricot quand même un peu plus serré sur mes chaussettes. Et puis j'ai fait ma pointe, alors j'ai fait tout ce qui était préconisé par le patron, c'est-à-dire euh, euh, il faut autant de centimètres pour faire la pointe en fait, en fonction des, des tailles, la pointe elle est plus ou moins longue, donc j'ai respecté ce qui était dit. J'ai fait les diminutions comme c'était expliqué dans le patron. La seule différence, c'est que j'ai utilisé mon contrastant pour faire ma pointe. Et regardez-moi ce violet. Là, on voit bien toutes les nuances parce que comme il est tricoté sur plusieurs rangs, et ben, ça rend super bien. On voit bien toutes les couleurs, les nuances de ce violet. J'adore. Donc c'est de la laine de chez Charlie Popette, un kit que j'avais acheté aux laines fleuries. Et je, non, je suis vraiment super contente de la laine. Alors j'ai fait le choix de faire ma pointe en contrastant. Parce que pour ma taille, il fallait plus que normalement un mini pour faire la chaussette. Pour faire la paire. Il faut plus qu'un mini de 20 grammes. Donc euh, je m'étais dit, bah, autant mon premier mini euh, l'utiliser au maximum. Et donc j'ai fait la pointe avec. Donc voici ma première chaussette. Guadeloupe. Non, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs, j'en suis vraiment contente. Et j'ai donc commencé la deuxième, j'ai fait les cotes. Je crois qu'il me reste encore un rang de cotes à faire. Voilà. Donc c'est reparti pour la deuxième chaussette. Ce ne sera pas terminé pour la semaine prochaine, euh, mais bon, il n'y a pas d'urgence. J'allais dire, je ne vais pas les mettre là, quoique quand j'étais en arrêt maladie, euh, en arrêt de travail, euh, j'ai porté des chaussettes parce que j'avais froid. Mais bon, pas sûr là que je vais les porter. Et donc je vais faire la deuxième chaussette avec un autre coloris. Vous le saurez la semaine prochaine, parce que je pense que j'aurai quand même commencé le jacquard. C'est la seule chose, c'est ce projet-là, le jacquard, c'est la seule chose compliquée vraiment que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. D'ailleurs, j'y repense sur le joya joya. Je vous ai pas dit les, Comme je le tricote avec des pelotes, il y a beaucoup de changements de fil, et j'ai fait le choix de faire mes changements de fil ici, entre, à chaque fois au niveau euh, entre le passage de la dentelle au jersey. Et ce que je vais faire c'est que mes fils... Euh, alors déjà bah pour l'instant ça fait des trous parce que vraiment j'ai rien fait euh, de particulier, pris, je suis passée au fil suivant. Donc après quand je vais les rentrer, bah, ça va resserrer le trou, ça se verra plus. Et euh, ce fil là, ce que je vais faire, c'est que je vais le rentrer là dans ces quelques mailles, hop hop hop. Donc un ici donc, bah, vers le haut, puis un vers le bas. Et en fait ils vont être toujours, euh, je vais les rentrer comme ça, hop. Dans la dans la limite entre le dos et le devant. J'en ai ici. Euh, où est-ce que j'en ai J'en ai un ici aussi. Vous voyez, je vais les rentrer là pour pas que ça soit visible. Parce que de la façon de rentrer des fils en temps normal, c'est quand même assez visible. Hein, ça se voit, ça se voit un petit peu. Je fais toujours en sorte de les mettre là, bien en dessous des emmanchures. Euh, je sais qu'il y a encore des tricots. Il y a 3-4 ans, je peux avoir un changement de fil là en plein sur la poitrine. Hein, c'est. Euh, voilà, je changeais mon fil l'heure où j'arrivais au bout. Maintenant, je fais attention quitte à perdre un peu de, de métrage de fil. Vous hein, voyez là, il me reste tout ça. Euh, je préfère avoir une finition propre et perdre un peu de fil que d'aller jusqu'au bout de mon fil et avoir là un fil à rentrer en plein milieu du dos. Et surtout que là, coton tencel le coton ça pardonne pas, ça va être visible, ça va se voir et ça sera pas très esthétique. Donc là, je fais mes changements. Vous voyez, ça fait des trous pour l'instant, mais je vais les rentrer. Euh, Juste là, à la limite, ce sera pas trop visible. Et puis pour les autres, bah, en petit, il y aura les finitions pour euh, cacher. Euh, ici, bah, l'encolure. J'en ai deux. Mais ça sera dans l'encolure, ça se verra pas. Euh, vu qu'on vient relever des mailles, dans le relevé de mailles, euh, j'arriverai à bien cacher mes fils. Là, c'est pareil au niveau de, des, be, des finitions pour les bras. Au niveau des manches, bah, c'est pareil, comme il faut relever ces mailles. À l'intérieur ça forme une couture et c'est pas compliqué de cacher son fil à l'intérieur pour pas que ça soit visible. Voilà, ça c'était un petit détail aussi pour celui-là. Euh, J'ai fait en sorte de, rentrer, de faire mon changement de pelote là, à ce niveau-là, pour toujours le, pour venir le cacher à ce niveau-là. Autre cours sur mes aiguilles, le gilet praline de Lolita. lolita a fait, je vous montre. Ah bah ben vous voyez rien, c'est noir. Alors d'ailleurs, c'est marrant, vous êtes quand même plusieurs à tricoter un basique noir. Il y en a même l'une d'entre vous qui a mis une difficulté en plus en, mettant des, en faisant un modèle avec des torsades. Euh, donc voilà, moi j'ai trouvé ça rigolo de voir qu'on était quand même plusieurs à faire. Alors le noir, bah c'est pas rigolo parce qu'on n'y voit rien. Voilà, euh, quand on le tricote le soir, ça fait vite mal aux yeux, on voit pas bien ce qu'on fait. Euh, j'ai donc là fini les raglans. Vous voyez, je suis arrivée au bout de mes raglans, là on les voit. J'en étais... Là la semaine dernière, j'ai fait tout ça. Ça c'était un, une abonnée du Canada qui m'avait très gentiment offert des anneaux marqueurs. Elle se reconnaîtra. Ils sont trop mignons. Euh, donc oui, voilà, j'ai fait mes raglans et j'ai séparé les manches et je me suis arrêtée à ça. J'ai fait euh, deux rangs sous les emmanchures puis c'est tout. Euh, bah voilà, je suis contente d'avoir fini les raglans et maintenant je vais passer au corps. Alors ça va être beaucoup, c'était pas compliqué là mais il fallait juste faire attention à son rythme d'augmentation pour les raglans et puis comme c'est sur du noir on... ça se voyait pas forcément bien. Là maintenant ça va être un corps tout en jersey tout droit, il y a moins de mailles parce qu'il n'y a plus les manches donc ça va être assez rapide à tricoter, ça va être simple, c'est bien. Il euh, y a pas, il euh, y a quoi, il y a une quinzaine de centimètres à faire sous les emmanchures et ensuite on fait une dentelle et ensuite il y a encore les côtes. Je vais respecter les longueurs préconisées dans le patron. Je fais jamais, euh, je fais très rarement des choses cropped, des choses assez courtes. Euh, mais là, je veux qu'ils soient cropped euh, pour aller sur mes robes, donc je vais respecter ce qui est préconisé dans le patron. Pour rappel, on fait la bande dans la patte de boutonnage en même temps. donc Ça c'est super, on n'aura pas à relever les mailles après et on fait les boutonnières après coup. Alors, je crois que c'est quelque chose que j'ai jamais fait et euh, donc euh, euh, bah, c'est bien. Ça va être une nouvelle technique que je vais apprendre euh, avec ce modèle. là. D'ailleurs, c'était un modèle que, qui m'avait été offert par ma Emma, que je remercie encore fort. Je le tricote avec aussi des pelotes, là donc de film d'art, la film Erinos 3,5. et demi. Et ben là aussi, d'ailleurs, ça fait beaucoup de fil à rentrer. Et euh, parce que je l'aurais fait dans un avec des écheveaux. Je pense que souvent quand je fais un pull, euh, mon premier écheveau me permet de faire jusqu'à la séparation des manches et du corps et c'est un petit peu après que je, je mets un deuxième écheveau et je peux faire mon changement de fil sous les emmanchures comme je vous disais, sous les emmanchures c'est là où j'aime bien caler mes fils euh, mes changements de fil parce que c'est là où ça sera le moins visible après sauf que ben, là c'est des pelotes et elles font pas du tout, il n'y a pas 200 mètres pour euh, 50 grammes il n'y a que, de mémoire je crois que c'est 135 mètres c'est 130 mètres, donc en fait j'ai déjà bien passé 3 ou 4 pelotes dedans ça doit être à ma troisième l'autre je crois et donc euh, j'ai déjà des fils à rentrer et là ce que j'ai fait pour pas que ça soit visible j'ai fait mes changements de fil hop au niveau de la patte de boutonnage vous voyez et donc là aussi ce que je vais faire c'est que je vais rentrer le fil hop un par ici et puis un dans ce sens là dans la patte de boutonnage vous voyez les autres ils sont là et comme ça ça sera pas vis moins visible ça sera pas visible normalement et ça va m'éviter d'avoir une grande marque sur mon devant parce que bah là je pouvais pas faire sous l'emmanchure je suis encore au-dessus des manches donc euh, ça, ça fonctionnait pas je voulais pas l'avoir sur les manches je voulais pas l'avoir dans le dos c'est euh, bah, les petits détails à force de tricoter on, on apprend ça on apprend à mieux rentrer ses fils à mieux les positionner les changements de fil pour que ça soit moins visible euh, c'est avec l'expérience mais voilà donc là ici bah, mes changements de fil je les ai fait juste après la pâte de boutonnage et comme ça bah, ils seront pas visibles ensuite. Je vais les rentrer euh, dedans. Je vais les cacher dedans. Donc voilà, c'était les petits détails. Euh, les petits détails de rentrée des fils. Donc bah ben, lui, euh, ça va être, un, ça va être un, un tricot zéro cerveau et c'est parfait pour en ce moment. J'ai pas franchement voilà, je n'ai pas la tête à faire plus. Donc euh, c'est parfait. Vous allez revoir donc la semaine prochaine. Euh, voilà. Avancer son petit corps. Mais bon, c'est vrai que c'est noir, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo à tricoter, mais bon. C'est tout, c'est comme ça. Ça sera un bon basique après sur ma garde robe mais je serai contente de l'avoir. Euh, par contre, je suis pas là de refaire du noir. Une fois, mais, mais pas deux. Franchement, je pense pas en refaire parce que c'est vraiment pas... Puis là, c'est un noir noir. Il n'y a pas de nuance du tout, il est bien profond. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et donc le dernier en cours, et pas des moindres, c'est mon châle de Steven West. Il vous plaît énormément ce châle. Euh, autant qu'à moi. Ça, ça me fait plaisir. Alors, je vous montre l'endroit, il est là. Voilà la bête. Alors, où j'en étais J'en étais là. Donc, j'ai fini euh, la grande section là, de Point de Gaudron où on refait passer euh, ces cinq couleurs. Donc il me restait mes deux dernières couleurs, ces choses faites, le violet et le bleu, et ça rend super bien. C'est super beau, j'adore. Je suis vraiment contente euh, ben, du l'association projet laine. Donc c'était les laines de chez Artemis yarns, son calendrier de l'avant euh, de l'hiver dernier. J'avais pris un écheveau de 100 grammes, donc c'était tous les dimanches un écheveau plus le jour de Noël. On avait ces cinq couleurs là, et il y avait un patron dans le, offert dans le, le calendrier mais euh, il ne me tentait pas plus que ça et là je, sais que je suis vraiment contente euh, ça, vraiment, ça met vraiment bien en valeur les couleurs et mon chéri me disait que ben, les couleurs passent très bien de l'une à l'autre ça fait un joli dégradé c'est pas trop tranché, c'est franchement bien je trouve que Artemis euh, travaille super bien ces dégradés elle est, euh, elle est vraiment super top pour tout ce qui est dégradé de couleurs franchement euh, j'adore son travail pour euh, ça alors j'aurais donc terminé cette partie-là, alors c'est toujours la même chose, c'est répétitif, ça peut être redondant, alors moi avec bah, mon état, ma fatigue, ma concentration, c'était parfait, je pouvais pas rêver mieux en cette période, j'étais pas capable de faire quelque chose de trop compliqué, tout ça, et j'ai pas trouvé ça trop long, trop ennuyeux, parce que bah, déjà j'ai eu une grosse pause en plein milieu, hein. je vous avais dit au début que j'étais malade, en 4-5 jours j'ai pas tricoté, donc euh, j'ai fait une grosse coupure, je l'ai repris, j'étais contente de le reprendre, sans m'avoir à trop réfléchir c'était chouette et ensuite on vient faire donc la bordure alors moi je fais la bordure de la manière la plus simple la plus simple du la plus simple c'est à dire qu'en fait je répète qu'une fois les... les sections on fait la même chose qu'ici c'est un peu comme il euh, y a des rangs de jersey il y a des rayures de jersey en droit avec un peu de dentelle il y a des rayures de jersey en vert encore et on vient réalterner les couleurs donc moi le bleu avec le violet, puis après le violet tout seul, le violet avec le rose, le rose tout seul, et là j'ai intégré mon orange, donc mon avant-dernière couleur. Donc, il me reste encore à faire le orange tout seul, orange et vert, vert tout seul, et euh, je pense que c'est un iCord final pour le terminer. Alors la bordure, bah, c'est assez bien de changer un petit peu, mais ça reste assez répétitif, et donc voilà, moi je répète tout qu'une fois. Euh, dans le bâton, Steven West explique euh, qu'on peut répéter plusieurs fois les sections pour utiliser sa laine au maximum ou si on veut vraiment agrandir son châle. Euh, voilà et si on va aller au bout de sa laine, il nous, dit, euh, il nous donne des astuces pour pas manquer de laine. Mais euh, moi je me suis dit euh, que euh, voilà. je n'allais pas répéter plus que ça, je voulais... il est déjà super grand. il est vraiment très très grand, j'ai un cap de 150 cm et euh, vraiment là il arrive au bout au bout des aiguilles, je ne peux pas le déployer complètement. Il est vraiment déjà assez grand, il y a 5 écheveaux dedans. C'est bon, quoi. il n'y avait pas besoin qu'il soit plus grand. Et j'avoue que bah, ça commence à être long. Il y a plus de 600 mailles sur ses aiguilles, donc les rangs sont longs. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de rangs en vert que de mailles en vert. Donc euh, je me suis dit, oh, une fois ça va aller. J'ai envie de passer quand même à autre chose et euh, quelque chose d'un peu plus facile, de plus petit. Pas facile, mais de plus petit en tout cas. Euh, si j'avais été en pleine forme, euh, et je l'aurais trouvé long, très long à tricoter, parce que bah, mine de rien, c'est toujours la même chose, donc c'est assez long et répétitif à faire. Donc euh, voilà, la semaine prochaine, il sera terminé, je suis contente. Doucement, mais sûrement, j'arrive au bout. Mais euh, ouais, donc c'est vrai que c'est pas le plus fun des patrons de Stephen West. Il y en a quand même plusieurs, hein, je me rends compte, où c'est très très répétitif, c'est toujours la même chose et c'est pas des plus passionnants. Mais là, bon bah... Euh... Là, ce qui avait euh, la seule technique euh, vraiment, c'est euh, le point deep à ce niveau-là. Alors, on en fait une très longue bande, donc au début, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est quand même assez euh, pénible et redondant. Ensuite, on vient faire ça. Alors là, ça a été rapide, c'était super rigolo à faire. Après, voilà, cette partie-là, elle est quand même rudement longue, mais elle met très bien en valeur les couleurs. Là, il n'y a pas à dire. Ça me fait vraiment un bel arc-en-ciel. Et la petite bordure, bon bah voilà, avec euh, un peu de dentelle. Alors vraiment simple, hein, c'est que des mailles ensemble, des jetés qui forment des vagues. Voilà un point classique de dentelle. Moi j'ai mis quand même des anneaux marqueurs en poule entre chaque motif. Parce que comme ça si je fais une erreur, bah, je m'en rends compte euh, quand j'arrive là. Bah, si pas il me reste une maille ou qu'il me manque une maille, je vais le savoir tout de suite et ça me permet de ne pas avoir à, à revenir beaucoup en arrière ou à défaire pas mal de mailles. Voilà j'ai joué la sécurité, je savais que j'avais pas une super concentration et que même les choses les plus simples pouvaient être compliquées. Donc voilà j'ai fait... Euh, j'ai mis des petits anneaux par cœur. Mais j'en suis vraiment contente. De par ses couleurs en fait. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Alors au niveau des laines, euh, j'aurais pu le faire plus grand parce qu'il me reste des laines. Mais voilà, comme je vous le disais, j'en avais un. Je commence un peu à en avoir marre quand même du châle. Euh, je vais vous montrer donc les laines, ce qui me reste. Alors ce que j'ai quand même trouvé dommage, c'est que quand on arrive à la bordure, on vient tout de suite la faire en prenant. Euh, alors chez moi, le bleu et le violet. On alterne et après seulement il nous dit Ben voilà, si vous voulez l'agrandir, vous pouvez faire comme ça. J'ai trouvé ça dommage parce que moi du bleu il m'en reste quand même beaucoup par rapport aux autres. Ah bon. Non, je sais pas, ça va pas être facile. Un ah, plat, ah, c'est pas facile. Il m'en bon. reste quand même beaucoup par rapport aux autres couleurs. Donc j'aurais peut-être voulu, par contre, mettre un peu plus de bleu parce que ben, c'est ce qu'il y avait beaucoup. Et bien ça euh, j'avais déjà commencé et je voulais pas défaire ce que j'avais déjà commencé. Et donc euh, tant pis. Parce qu'après le violet et le rose, vous voyez là ils sont terminés. Ces trois couleurs-là, je les ai terminées, je les tricote plus. Il y a quand même beaucoup plus de bleu que de. que des deux autres. Et là, c'est les deux qui me restent, le orange et le vert. Donc euh, voilà. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire sur mon Steven West, ouais, j'ai rien de plus à ajouter qui sera certainement, très certainement terminée la semaine prochaine. Peut-être pas laver bloqué, mais au moins terminée. Donc pour cette semaine, bah, on a fait le tour euh, bah, de tout ce que j'avais à vous montrer. Donc on est encore sur un court épisode, mais euh, bah, j'ai d'une part pas franchement beaucoup plus à vous montrer. Et deuxièmement, bah, la fatigue est quand même encore euh, présente, même si euh, j'ai une meilleure forme et un film, meilleure forme, meilleure mine. Je ne suis pas encore ouais, complètement rétablie. On se retrouvera donc la semaine prochaine. J'aurai plus de choses à vous montrer parce qu'il y aura le top Sansé de Atelier Millie qui sera sorti. Euh, j'ai vu déjà qu'elle avait quand même mis des images sur Instagram. Donc je pourrais vous montrer ma version complètement terminée. Encore un grand, grand merci pour tous vos messages parce que vraiment j'ai été très, très touchée. C'est vraiment incroyable. C'est plus que du tricot. Vous êtes vraiment d'une bienveillance incroyable. Donc encore un grand, grand merci à vous. Et donc on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye